Allez, c'est parti, on se retrouve pour la suite. Bonjour à tous les amis, c'est l'OSH. Je suis heureux de vous accueillir sur ce nouvel épisode de Super Mario Bros. NES & SNES, avec ce paysage nocturne avec des étoiles, ce paysage magnifique. Waouh, c'est trop beau. C'est magnifique. Alors, on se prend le petit champignon. Alors, je vais vous faire une petite annonce. Alors, c'est principalement, mais pas que, pour ceux qui regarderaient l'épisode vraiment le jour même. Demain, c'est un épisode très spécial. Pourquoi ? Parce que demain, c'est la 100e vidéo de la chaîne. Je l'ai annoncé sur la page Facebook pour ceux qui me suivent. Donc demain, c'est un épisode particulier. Et la particularité de l'OSH Retro Gaming, c'est que toutes les 100 vidéos, je vais vous faire une vidéo particulière, une vidéo spéciale. Donc demain, de grosses surprises seront au rendez-vous. Alors normalement, c'est Zelda, Mario, Pokémon. C'est un jour à la suite. Une petite vie. Mais demain, voilà, demain il n'y aura pas d'épisode de Pokémon. Voilà, Pokémon, vous le retrouverez après-demain. Demain, j'ai prévu un let's play vraiment particulier. Voilà, j'attendais que l'étoile se termine. Je trouve qu'on m'entend mieux. Donc demain, c'est un épisode vraiment particulier, un let's play spécial que je vais vous présenter et une autre vidéo, une très grosse surprise qui arrive sur la chaîne, qui va faire du bien à la chaîne, vraiment. Voilà, une très grosse surprise. Hop, et j'ai géré le saut, c'est magnifique. Est-ce que je vais réussir à monter là-dessus? Sans tomber. Non, c'est trop tard. C'est pas grave. Hop, et ben regardez, on a la petite fleur, ça fait plaisir. Je continue à dire que ce jeu est quand même moins difficile que son prédécesseur. Ouais, la version originale sur NES, rien à voir, vraiment. Vraiment rien à voir, je le sens, hein. Hop. Allez, on va se faire encore un petit Bowser à la boule de feu. Yes, une nouvelle animation. On va essayer, ce serait cool. Je parle, ouais, non, c'est bon, on est à la fin, je pense qu'on est à la fin. On est à la fin ou pas? Oui, ouais, alors attends, il y a juste eux. Voilà, et c'est bon, on est arrivé. Tranquille. Alors, on a quoi? De l'aquatique, du souterrain? Alors, on est en plein air. Ok, donc, j'ai la boule de feu, vous avez vu, donc sur la miniature, on a vu qu'il y avait des Koopas. Alors, je connais pas leur nom exact, mais c'est des Koopas à la hache. Ils sont galères. Sauf quand tu as la boule de feu. Et là, t'es tranquille. Allez, j'essaie de me le faire, lui. Ça va être chaud. C'est bon, j'ai réussi. Petite étoile, mais moi, je préfère avoir des pièces. Alors, de la même manière que j'ai fait Super Mario Bros. Sur NES, on va essayer d'avoir le maximum de vie. Putain, je me suis arrêté. In extremis. Allez, moi j'anticipe. Direct la boule de feu. Je cherche pas à comprendre, j'anticipe. Petit passage, non. Regardez ce que je vais faire. Hop. Ah ouais, j'ai pris un risque. Je sais, mais je voulais le faire. Je voulais le faire, c'était suicidaire, mais j'ai voulu le faire. Heureusement, je me suis pas fait toucher. Ah, je voulais lancer la... Tu sais, tous les défoncer avec la carapace. Et je savais qu'elle allait revenir et hop, une boule de feu. J'ai géré. Mais franchement, j'ai pris un risque, j'avoue. Bon, on n'a toujours pas vu les Koopas à la hache. Ah, mauvais côté. Là, même ça, regardez, c'est barre de fer. C'était une horreur. Dans le jeu précédent, c'était une horreur. Là, les sauts sont... Je sais pas. C'est plus simple. Les sauts, le...
Il y a je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine lenteur quand Mario il saute. Donc t'arrives plus facilement à appréhender ta réception. Mais là, je peux pas passer, non. Je peux passer en dessous, normalement. Toi, tu t'en vas. Alors, regardez les rouges. Ils descendent pas. Voilà. Vous avez vu, il fait demi-tour. Alors que les verts, ils descendent. Donc ça, si vous aviez pas remarqué, je vous le dis. Et voilà. On est à la fin. Bah, regardez, on est déjà au château de Bowser. On a la boule de feu. C'est parfait, moi, j'ai envie de vous dire. J'espère juste qu'on va pas la perdre. Voilà. Parce que les châteaux de Bowser, c'est quand même pas évident. Allons-y. Ouais. On va attendre que la boule de feu soit passée. On va essayer de pas perdre trop de temps non plus. Ouf, c'est bon. Alors, généralement, tu n'as pas de... Ah, s'il y a des monstres, ça arrive, ça arrive. Mais il n'y en a pas beaucoup. Ça peut arriver, mais pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y en a pas. J'ai géré. Oh putain. Complètement du hasard. Complètement du hasard. Non, Mamma non, mia! non, non, la déception, les amis, la déception. Vous savez ce que ça veut dire. On va devoir couper le pont, il n'y aura pas l'animation de Bowser. Je suis dégoûté. Ah, je voulais vous montrer l'animation. Dégoûté. Tant pis. Et merde, je voulais passer au-dessus, je me suis complètement loupé. Bon bah vous avez vu, j'ai 5 vies, hein. Et malheureusement, vous le savez, dans les châteaux de Bowser, vous avez rarement de la vie. Bah, pas de la vie, vous avez rarement un champignon et une fleur. Donc va falloir faire sans. Bah tant pis, hein. Quoique, petit champignon peut-être. Voilà, mais on n'aura pas la fleur, ça c'est sûr. Allez, c'est pas grave, regardez. Hop, je trace. Allez. Tu me fais pas peur. Tu ne me fais pas peur, Bowser. Let's go. Et voilà, écoutez. On l'a entendu cramer. Et voilà, c'est fini pour Bowser, pour ce monde 3. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Nous avons 3 toads. Et je vous dis à la prochaine pour le monde 4. N'hésitez pas à liker, à commenter si ça vous a plu, à partager la vidéo également. Et voilà, on se retrouve sur l'écran de Luigi parce que je vous ai dit je joue un mode 2 joueurs, sauf que je vous fais l'ellipse à chaque fois. Et voilà les amis, merci beaucoup pour votre présence, votre fidélité. C'était un plaisir, je vous dis à la prochaine. C'était l'OSH, ciao tout le monde.